Good morning, allez, Iden les sus rejoindre le Neshma Trayesser Bat Miriam Roset Zohara Bat Sultana et Maurice Moshe Ben Sultana. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Eruvin, Perek Zain, Mishnah Dalet. Natan Alav Neser Sheurachav Arba'a Tfachim. Vechen Shtei Gzuzteraot Zo Keneged Zo. Me'arvin Shnaim, Vimratu Me'arvin Echad. Principe, on continue le même principe débuté depuis le début du chapitre, à savoir, on définit lorsqu'on a deux cours qui sont mitoyennes, dans quelle situation elles doivent faire chacun un érouv indépendant nécessairement, ou dans quelle situation elles sont plutôt imposées de faire un érouv ensemble, ou bien encore une situation intermédiaire où elles peuvent décider de faire chacun un érouv à part. J'explique un petit peu mieux. Tout d'abord, la règle de base, c'est lorsqu'on est tous associés dans une cour commune, entre 5 habitants par exemple, alors on a tous l'obligation de cotiser notre pain pour pouvoir faire le érouv. Si on a un qui oublie, il bloque tout le monde. Si toutefois maintenant on a deux cours mitoyennes, avec séparées par un mur où il n'y a aucune correspondance entre l'une et l'autre, alors bien évidemment, chacune elle a son devoir de faire son érouv indépendant. Si une fait et l'autre ne fait pas, ben celle qui a fait, elle pourra porter, celle qui n'a pas fait, elle ne pourra pas porter. Elle ne va pas l'influencer. Mais avec un désavantage quand même, c'est qu'elles ne pourront pas, c'est que même si elles vont faire chacun un érouv indépendant, elles ne pourront plus faire passer les objets d'une cour à l'autre, comme on l'avait expliqué, que c'est un peu plus délicat que ça. On reparlera de ça quand on arrivera au prochain chapitre, plus dans les détails. Ouais. Mais pour le moment, en tout cas, donc retenez, il y a une situation, la situation de base, c'est lorsqu'il y a deux cours mitoyennes, chacun fait son érouv indépendant, chacun vit sa vie à part en fait, et les maisons pourront porter aisément dans cette cour, mais sûrement pas faire passer dans la cour mitoyenne les objets qui étaient dans les maisons personnelles, d'accord? Maintenant, il y a une situation où le mur tombe partiellement. Alors, la taille du mur tombé, on va considérer parfois qu'il n'y a plus de mur entre les deux. Puisqu'il n'y a plus de mur, alors elles ont l'obligation de faire un érouv entre. Un érouv avec les deux cours, c'est devenu une seule grande cour, qui auront l'obligation de faire un érouv ensemble. Elles ne pourront pas décider de faire, nous on fait bande à part, et vous, vous faites bande à part de votre côté. Il y a une situation intermédiaire, c'est qu'il y a une porte entre eux, ou bien le mur il est tombé partiellement, ou c'est pas considéré qu'il n'y a plus de mur, mais c'est considéré qu'il y a une ouverture entre eux. Alors dans ce cas-là, hein, c'est au choix du client, ils font ce qu'ils veulent. Soit ils font chacun leur érouv indépendant, ouais, et donc s'il y en a une qui fait le érouv, l'autre qui n'a pas fait le érouv, ben celle qui a fait le érouv, elle pourra porter, l'autre elle ne pourra pas faire, soit elle décide de faire un grand érouv, mais par contre, donc, mais s'ils vont chacun faire un érouv indépendant, ils ne pourront plus porter d'une maison, d'une cour à l'autre, mais si toutefois ils ont décidé de faire un très grand érouv entre eux, alors là, ils auront gagné que... Ils pourront même porter d'une cour à l'autre, même les objets qui étaient dans les maisons de la cour d'un côté, ils pourront les faire passer de l'autre côté. Ça, c'est la donnée de base, j'espère qu'elle est admise, qu'elle est comprise. Et à partir de ça, maintenant, on va s'intéresser à une nouvelle situation. Vous vous rappelez, dans la mission précédente, on avait parlé qu'il y avait deux maisons, deux cours, qui étaient séparées par une faille qui était profonde de 10 tfachim, et qui avait une largeur de 4 tfachim. Donc maintenant, c'était devenu... Ça fait qu'on considérait les deux cours, même s'ils se voient, ils ont apparemment, c'est rien, quoi, finalement, c'est pas la fin du monde. Ils sont sur un même niveau, ils se voient très bien, ils se font passer les choses d'une à l'autre, 40 cm, c'est pas grand-chose. Franchement, c'est pas des masses, on court, on peut courir et sauter le truc. Malgré tout, ils sont considérés foncièrement comme deux cours distincts qui ne peuvent pas faire de érouv ensemble. Ça, on l'avait appris parce que, concrètement, ils ont une barrière naturelle, qui les sépare en deux. C'est comme avoir un petit muret en fait de 10 tfachim, c'est pas non plus très grand, mais malgré tout, ça distingue, ça différencie les deux cours, ça les sépare, elles peuvent plus s'unir ensemble. Là, on va découvrir maintenant dans notre Mishnah quelque chose de nouveau. Nathan Alav Neser, il a mis maintenant, on est toujours avec cette faille, mais il a mis au-dessus de cette faille, dans la largeur, un Neser, une planche de bois. Sheuracha varba'a tfachim, qui est large de 4 tfachim. Ouais. Donc il a pris un tasseau de bois, large de 4 tfachim, de 40 cm, qui relie maintenant, il s'est fait un petit pont, en deux mots. Alors, ou encore, autre situation. Vechen shtnei shtei gzuz traot zokonegzo. Même principe avec à présent, pardon, lorsqu'on a deux maisons, une en face de l'autre, avec le Rishut Arabim entre les deux.
normalement, il n'y a aucun moyen de faire passer des objets d'une maison à l'autre. D'accord? Parce que nous, on est un rechuteur yachid indépendant, ou vous avez un rechuteur yachid en face, et on n'a pas de rapport entre nous. On a un rechuteur abîme, on a une voie publique qui passe, qui passe sous nous, on peut rien faire pour porter d'un à l'autre, on ne pourra même pas jeter les objets même. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que de nouveau, ils ont mis un pont entre les deux qui fait une largeur de 40 cm. Ouais, faut pas être un funambule très doué pour pouvoir réussir à passer sur 40 cm. Franchement, toute personne qui n'a pas le vertige, il marche tout droit, il arrive de l'autre côté. Quel statut ça prend ce pont? Le statut du pont a le même statut qu'une porte. C'est considéré en fait comme on a certes la barrière naturelle n'est pas supprimée, donc on est considéré comme deux cours, mais l'avantage c'est que grâce au petit pont, on est considéré qu'on est relié par une porte. Si on veut, on décide de faire le hérouv ensemble, et si on ne fait pas le hérouv, on ne fait pas le hérouv ensemble, on fait chacun dans ma part, ça marche aussi, on n'a pas l'obligation de faire le hérouv ensemble, parce qu'on est foncièrement distingué, on est partagé, je sais pas comment dire, on est bien, d'accord, nifradim, on est bien partagé, chacun de son côté. Mais malgré tout, on a aussi la possibilité que si on décide de faire un hérouv ensemble, on pourra le faire. C'est ce que la Mishnah enseigne, mais Arvin Shnaim, ils feront le hérouv, ils feront deux hérouvs, s'ils veulent. Vimbrasou, mais Arvin Echad, et s'ils veulent, ils peuvent même faire un seul grand hérouv pour les relier les deux en même temps. Par contre, par Parhot Mikan, si la planche, le tasseau, il est large de moins que 4 tfachim, donc dans ce cas-là, le commun des hommes ne réussit pas à passer aisément dedans sans tomber en route. Donc c'est pas une vraie porte. Alors dans ce cas-là, Marvim Shnaim, Ven, Marvin Echad, ils devront faire un Hérouv. Chacun indépendant, mais ils ne pourront pas faire le Hérouv ensemble tous les deux. Parce qu'ils restent distingués, ils restent séparés entre eux. D'accord? Il n'y a pas ici une vraie porte, il n'y a pas un vrai accès entre les deux. Et voilà. J'avais quand même une petite dette si déjà je complète. Dans le Mishnah précédent, je voulais te finir dans le Mishnah précédent, je vous ai dit qu'il y a une différence qu'on dit Arba ou Arba'a. C'est un petit cours de grammaire, ceux qui ont pas envie d'écouter. Bonne journée, et ceux qui veulent écouter, qui restent avec moi, 30 secondes, de 2 minutes. Faut savoir, en hébreu, c'est la grande exception, c'est les chiffres. On dit Echad, Shnaim, c'est masculin, mais pour continuer le décompte au masculin, ben on va dire Shlosha, Arba'a, Chamisha. Et quand on compte le masculin, là on dit le féminin, ça devient Achat, Shtaim, et après c'est Shalosh Arba Hamesh. Ça s'inverse en fait. À partir de 3 jusqu'à 10, et bien ça s'inverse que le masculin, il va devenir. Le masculin, il prend le He, à part Echad Eshtaim, ça reste selon les règles. Quand il y a un Taf ou quand il y a Shtaim, ça reste féminin, et quand c'est Echad Eshtaim, c'est masculin. Mais à partir de 3, 4, 5, alors, quand on rajoute un he, ça devient masculin, et quand on supprime le he, quand on supprime le he, ça devient féminin. Du coup, tefar, c'est masculin. Ama, une coudée, tefar, c'est un point, une largeur d'un point, c'est masculin. Ama, c'est féminin. Alors, quand vous voyez le mot dans la Gemara, dans la Mishnah, qu'on dit qu'il faut être matrique arba, on n'a pas dit arba combien? Arba, c'est Arba, un autre. Ça, puisque Arba, il est féminin, donc on comprend directement que tu parles de la mesure féminine. Ça veut dire la mesure qui est exprimée en féminin. Donc ça devient Arba, Amot. Alors que quand on a marqué Arba, c'est masculin, on comprend naturellement qu'on parle de Arba, Tfachim. D'accord? Si vous regardez la Mishnah précédente, on avait dit Rachav Arba. En fait, je vous ai dit non, qu'il ne faut pas dire Arba, il faut dire Arba'a. Parce que là-bas, on parlait d'une largeur de 4 Tfachim. Donc on dit Arba, Tfachim. C'était celle que le Tosafot Yom Tov vient en parler aussi. Et voilà. Regardez ici dans notre Mishnah, nous, il y a écrit Rachav Arba'a Tfachim. C'est aussi, il y a écrit le mot Tfachim. Donc vous voyez que. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, cela.